bien-aimé. C'est le responsable du centre pénal de délivrance de Zaroko, le responsable du cabinet de coups de délivrance de Dibo, le premier responsable du ministère de la compassion des armes. Bien-aimé, ce matin, sous vos acclamations, j'ai l'honneur de vous présenter le prophète Jacques Assota. Samaritaine, il dit, l'heure vient
Où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Le but de l'homme sur la terre, c'est de reconnaître Dieu comme Dieu. Il est notre Dieu. Son nom, c'est éternel. Il vit éternellement. Il est tout puissant, notre Dieu. Capable encore de décanter ta situation. Capable encore de te délivrer. Capable de te bénir. Il donne même la vie aux morts. Celui qui a la clé de la mort et de la vie. Il est présent ce matin. Il attend quelque chose de toi. Pas parce que tu lui demandes quelque chose. Lève, ouvre ta bouche. Et dis au Seigneur, tu le reconnais comme Dieu. Tu le reconnais comme Dieu. Et qu'il est vraiment le mérite d'adoration. Ouvre la bouche. J'ai dit quelque chose à Yahweh. J'ai quelque chose à Yahweh ce matin. J'ai quelque chose à Yahweh, notre Dieu. J'ai quelque chose ce matin. J'ai quelque chose à Yahweh. Thank you.
bénis parce que tu es bon. Dans ta bonté, tu nous as rachetés en donnant Jésus-Christ, ton Fils. Et tu as fait de nous tes enfants. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te prions de conduire toutes choses, de nous visiter, de nous faire du bien. Je m'abandonne entre les creux de ta main, je compte sur toi. Merci et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. On dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Venez vous asseoir. Vous savez, le système des cultes, est différent d'un programme, d'un séminaire. Amen. Amen. Voilà. Quand on parle de culte, c'est différent des séminaires. C'est différent. C'est un culte. Amen. Amen. Dieu mérite l'adoration. Alléluia. Amen. C'est le premier culte d'ailleurs ici. C'est le tout premier culte. Nous avons prié pour lancer le cabinet la toute dernière fois ici. Après une veillée, nous démarrons notre premier culte. C'est notre premier culte par la grâce de Dieu que nous allons démarrer. Tous les dimanches, ça serait comme ça à partir de 9h. Nous aurons des cultes ici. Ceux des Arakons auront le culte. Mais ici, c'est un cabinet d'écoute. Pourquoi? Parce qu'il faut aider les gens. Vous savez, les gens ont besoin d'être enseignés. Ils ont besoin d'être enseignés. Il faut leur donner la chance de pouvoir entendre la parole de Dieu, les enseigner. Amen. Amen. Tous les dimanches à partir de 9h, ça sera comme ça ici. Tous les week-ends, ça sera à Zaroko. La particularité maintenant des Zaroko, ce sera des grandes veillées. Tous les vendredis seront à Zaroko. Tous les vendredis d'ailleurs. Ce vendredi, il y aura une grande veillée avec un homme de Dieu qui vient d'Abidjan, c'est un ami. Un ami qui a un ministère à la Riviera qui viendra nous épauler ce vendredi. Amen. Amen. Ce vendredi, il y aura une grande veillée par la grâce de Dieu. Donc tous les vendredis, ceux qui ont des problèmes de folie, tout ça, ça c'est Zaroko. Ceux qui veulent se retirer, les sangs de cou, qui veulent. Parce que le prophète, c'est un guide spirituel. Et le prophète, c'est un guide spirituel. Tu n'arrives pas à construire une maison. Tu mets de l'argent dedans. Dès que tu démarres, tu ne comprends plus rien. Tu dois venir consulter le prophète pour voir ce qui ne va pas. C'est ce qu'il dit aux gens. Nos dirigeants là-bas viennent nous consulter. Il dirige les régions, il investit les choses, les maires, ça n'arrive pas à décoller, ça va pourquoi? Ayez des guides spirituels. Ayez des guides spirituels, des hommes spirituels, des conseillers spirituels. Si vous n'avez pas de conseillers spirituels, c'est que vous excluez Dieu dans votre affaire. Parce qu'il faut associer Dieu dedans. On ne se lève pas comme ça pour engager les affaires. Il faut l'associer. C'est pour ça que tous ceux qui ont eu des conseillers spirituels, ça a toujours marché. Parce que c'est le spirituel qui fait le monde visible. On ne se lève pas un matin pour dire j'ai envie de faire vendre Clapro. Parce que ma cousine vend Clapro. Non, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé de vendre Clapro? Amen. Amen. Tu peux commencer par les arachides et puis devenir millionnaire. Si Dieu t'a certainement orienté. Donc le prophète est un guide. J'ai un cabinet ici pour juste vous écouter. Ça n'a rien à voir avec question de religion. Mais moi, c'est le christianisme. Je te dis, c'est Jésus qui fait. Tu ne vas pas exclure Jésus de ça. Ça, je suis désolé. Ah non, je ne suis pas chrétien. Je dis, mais c'est une question de Jésus. Si tu vois que pour moi, la valeur, il faut le prendre. Pour toi, ça ne marche pas. Pour moi, ça marche. Donc, pour ma chère, amen. Ce n'est pas une question de religion. C'est une question de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, si c'est un cabinet d'écoute, et notre spécialité, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Dieu fait grâce à chaque homme de Dieu. Dieu fait grâce. Je ne suis pas le parfait homme de Dieu. Je ne suis pas le meilleur. Mais moi, j'ai une spécialité. C'est la destruction des œuvres de la sorcellerie. Et c'est un combat. Amen. Amen. Et moi, je suis content quand je fais le combat avec les sorciers. Le jour où j'attrape un sorcier la semaine, je n'ai pas compris. Je n'ai pas d'humeur. Oui, parce que quand j'imagine que c'est des mangeurs d'art, et ils sont dans les régions, dans les villas, dans les maisons, en train de détruire des familles, je ne suis pas en paix dans mon cœur. Je ne suis pas en paix. Parce que l'être humain doit la vie. Et en une fraction de seconde, il peut tourner la vie. En une fraction de seconde, vous voyez, il a vu les aveux d'un vieux hier au village. Ça m'a choqué. Il dit, mes enfants sont mes cabris. Mais oui. Il a dit ça, ben là, j'ai regardé le, vous étiez là, j'ai regardé même ça hier, j'ai regardé encore son film. Le cabri que tu as mangé en train de le délivrer, tu dis pourquoi on reste au milieu là, c'est lui. Demain qu'il n'est pas prêt pour le midi. Tu veux le manger. Amen. Donc imagine-toi ces gars comme ça dans beaucoup de familles. C'est pour ça que ce combat nous devons tous le mener. Pas comme des blancs l'ont fait. Ils étaient très barbares, prenaient les sorciers, les brûlaient au bûcher. Nous avons compris qu'il y avait Jésus qui pouvait délivrer un sorcier et l'intégrer dans sa famille. Amen. Amen. Oui, c'est possible. D'autres disent, non, le sorcier change. Bah, pourquoi il change? Est-ce que Dieu n'est, de quoi Dieu n'est pas capable? Dieu peut changer le cœur d'un être humain. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs, il n'est pas venu pour les justes. Nous ne devons pas toujours condamner, il faut délivrer les gens. Il faut les aider. Parce que quelque part, il y a une initiation. Amen. Amen. Si vous avez des petits problèmes de sorcellerie, envoyez ça, moi les délivrer.
Ils ont aussi besoin de la vie. Souvent, il y a des gens qui se rendent dans les confréries et par moments, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes pour sortir, c'est difficile. Parce que c'est des pactes. Il faut les aider. Amen. Maintenant, s'il veut, il y a des gens qui ne vont jamais vouloir changer. Ceux-là, viens demander de régler le problème. Amen. Amen. Si tu vois la situation bizarre, viens en cabinet. Je vais te montrer un petit secret seulement. Tu vas l'enterrer. Ce n'est pas la peine de prendre ma chaise sur lui. Non, non, non. Il y a des secrets. Comment continuer? C'est pour ça que Dieu, gloire à Dieu, je suis en train de m'organiser pour vous ouvrir les yeux. Parce que maintenant, le système contre l'entraînement en face, c'est une bonne organisation pour vous suivre. Celui que je vois en train de t'emmerder, moi, mais il reste ton problème. Amen. Dis amen. 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 Il faut toujours avoir un guide spirituel. Il ne faut pas rester comme ça sans père. Il faut toujours avoir un guide spirituel. Celui-là qui prie constamment pour toi. Oui, celui qui prie constamment pour toi. Dieu lui montre les choses cachées. Toi, tu travailles, mais dans le secret, Dieu lui montre les choses les plus cachées. Et c'est ce que tu m'entends de faire l'organisation. On voit la liste de tout le monde. Je me lève, je prie pour vous, je regarde. Si ça ne va pas, je t'appelle. Je dis, voici ce qu'il y a vu. Amen. Et puis, je dis, laisse-moi gérer le dossier, je t'assure. Si j'ai dit, t'as toujours tort. Parce que maintenant, je vais m'amuser. Vous m'écoutez aussi, chef, côté chat, Jésus. Amen. 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 Les amusements, là, on a fini ça maintenant. Amen. Amen. Maintenant, on va vous encadrer. Voilà, on va vous suivre, on va vous encadrer. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre une organisation. Amen. Et vous voyez que c'est en train de se faire. Nous avons créé le cabinet. Les Arocos restent un centre de délivrance. Ici, nous allons vous écouter, vous suivre, vos soucis, vous allez les déposer ici. Nous allons régler le problème. Amen. Amen. Aidez-nous pour ne pas que le problème d'argent soit nos soucis. Amen. Amen. Si ce n'est pas nos soucis, vous allez voir ce qui va se passer ici. Ce qui va se produire. Amen. Amen. Parce que la marche chrétienne, c'est une question de suivi. Si on vous suit, vous allez vivre bonne vie chrétienne. Amen. 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 Vous voulez ou pas, vous aurez des ennemis. Non, vous n'allez pas exclure ça de votre marche chrétienne. Que vous voulez ou pas, vous aurez des attaques. Ah, je suis attaqué, mais c'est normal que tu sois attaqué. Parce que tu fais les bons. Amen. Je ne sais pas pourquoi vous devez attaquer. Mais le diable, il est mauvais. Il sait ce qui fait les bons. Il doit t'attaquer. Si tu n'es pas attaqué, c'est que le diable approuve ce que tu fais. Attaquer les attaques, la Bible dit dans Jérémie le chapitre 1, le verset 19, ils te feront la guerre, ils te feront la guerre. Pourquoi exclure le combat de votre marche chrétienne? Mais ils ne te vaincront pas, parce que c'est la promesse de Dieu. Je serai avec toi pour te délivrer au rang de l'éternel. Mais souvent il y a des combats, on a souvent besoin des alliés. Si vous êtes fatigué, ramenez-moi le dossier. Amen. 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 En quelque temps, je règle ça. Il n'y a pas un sorcier, c'est l'onction, chaque homme de Dieu a sa grâce. Il n'y a pas un sorcier sur cette terre. Même près de Satan. Ce n'est pas de l'orgueil qui peut me résister. C'est une deal entre Dieu et moi. On sait ce qu'on s'est dit. Amen. Amen. Dieu, quand il donne, don, il a donné. Ce n'est pas de la peu près. Je sais dire aux gens, si vous n'avez pas don, restez tranquille. Allez faire champ de maïs. Ça fait quoi si vous faites champ de manioc et tout, vous allez vendre ça, les bons vont garder, vont manger. Vous êtes là, je suis prophète. Tu n'es pas prophète, va faire champ de manioc, ça marche tout aujourd'hui. Bachir, ça peut faire 800 000, tu peux payer des trucs. Laissez-nous histoire des prophètes là. Si tu es prophète, tu dois apporter la solution dans la vie des autres. Amen. Parce que qui veut être prophète? Si l'un m'a donné les prophètes, tu ne vois pas qu'il est prophète. Je suis là pour manger. Amen. Amen. Non, ce n'était pas quand vous dites qu'on est prophète. Moi, je connais mon alliance avec Dieu. Je sais comment Dieu m'a appelé. Quand Dieu donne un don, il a donné un don. Si moi, je te dis aujourd'hui, chez toi, il y a ça. Je vais prendre ça. Je vais te montrer. Amen. J'ai dit aux gens de Gros, je m'en vais. Ils ont vu le dragon sortir quand direct à 9h devant eux. Bah, c'est le don. Et ce n'est pas la première fois où je pars détruire les canaries et la chair humaine avec toute une confrérie de 300 personnes. Comment tu sais que ceux-là, c'est des mangeurs d'âme. Si tu t'amuses, ils vont finir ton doigt jusqu'à. Ils vont laisser les os sur toi. Je les mets tous au pas. C'est le don. C'est mon don. Avec les sorcelleries, là, c'est mon travail. Si j'étais touché, ce n'est pas de l'orgueil, je ne fais pas ma publicité. Je vous montre que Jésus au-dessus de la sorcellerie. Amen. 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 Yes. C'est tout. C'est tout et c'est tout. Qui veut me mettre au défi, je vais le démontrer A plus B. Il n'a qu'à être un féticheur, il n'a qu'à être un truc. Dès qu'il se présente, je le fais tomber au nom de Jésus. Amen. 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 Dis-toi à 10:45, je continue de parler, tu parles pas. Moi, je ne parle de rien. Le jour qui t'a amusé pour te présenter devant moi. C'est là que tu vas comprendre qu'il y a serviteur de Dieu. Il y a serviteur de Dieu. Amen. Parce que Jésus n'est pas ton camarade. Jésus, il est mort à la croix. Il a été mis nu à la croix. Il ne peut pas permettre qu'un féticheur vienne insulter Jésus. Amen. Insulter Jésus pour dire que non, l'église n'a pas de pouvoir. Qui t'a dit ça?
Qui t'a dit que l'église n'a pas de pouvoir? Nous avons un pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir. Il dit restez là. Jusqu'à ce qu'il vienne sur vous l'Esprit de Dieu. Amen. Vous recevez une puissance, c'est mes témoins. Je vous assure. Dieu, il est puissant. Amen. Vous avez vu à la veille les témoignages des fous qui ont été guéris. Dieu est puissant. C'est parce que l'église néglige ça. On dit non, ne suivez pas les miracles. C'est la parole. Qu'est quoi? S'il n'y a pas de miracle, moi, il ne croit pas ton ministère. Amen. Hein? Si quand Dieu est quelque part, il opère un miracle. C'est vrai, la parole, mais un miracle. Le monsieur est possédé. Son chien est de manger, il dit non, ça va aller. Il va le manger. Il s'est mangé d'un temps, il dit ça va aller. Ou même, va faire toi, il fait ta vie. Il ne peut pas faire sa délivrance. Il est possédé, il est lié. Jésus dit déliez-le, laissez-le aller. Il est possédé, quel délivrance a fait? Il ne s'est même pas dit comme Jésus, il dit d'accord, délivré. Non, il faut écouter la parole, ne suivez pas les gens. Qui t'a dit aussi les gens? C'est qui a mené les gens vers Jésus? C'est parce que Jésus opérait des grands signes. C'est tout. Amen. 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 Vous avez Dieu, non? Vous voyez les signes permettent aux gens de croire en la puissance de Dieu. Pourquoi ne pas croire au miracle de Jésus? Jésus est un Dieu de miracles. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Donc ici, nous réglons tous les problèmes de sorcellerie. Tous les lundis et mardis, ce sont nos pauses. Vous devez bien saisir ça. Ici, là, c'est le pause, lundi et mardi. Tout le centre, tout le cabinet est en jeûne. C'est un programme qu'on a mis en place. Nous sommes en jeûne sec, tout le monde, pour prier pour vos bien-aimés. Parce qu'ici, il y aura une grande liste. Nous allons prier pour tout le monde, pour que Dieu puisse vous bénir. Parce que si vous êtes bénis, vous allez faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Si vous êtes délié, vous allez faire avancer l'œuvre de Dieu. Il faudrait qu'on nous prenne au sérieux. J'ai commencé à dire aux gens, il faudrait qu'on s'organise. Pour que celui qui vient ici, qui ne regrette pas d'avoir mis les pieds ici. Amen. Parce que quand on se déplace pour aller chercher Dieu, on doit le trouver véritablement. Et ça nécessite une conscience d'organisation. Je suis en train de m'organiser pour qu'on puisse vous suivre. Même depuis l'Europe. Vous venez ici depuis l'Europe, on va vous suivre. Si ce n'est pas décanté, nous allons poser la question à Dieu. Pour que celui qui vous les porte, pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche? S'il m'a dit c'est lui là, il n'a pas besoin que tu me dises quelque chose. Moi, même dans ton village, j'irai ça. Puis il te dit c'est fini. Amen. C'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de mettre toute ton organisation et demande au Seigneur de me bénir. Si je sais que toi, quelqu'un est sur toi, je te dis, je suis en route, il n'y a pas besoin que tu m'envoies l'argent. Je suis déjà en route. Oui, je suis déjà en route. Vas-y, tu es dérivé, si tu vois ce miracle, tu vas continuer de soutenir le Dieu. C'est ça, cette organisation-là que je suis en train de mettre autour, ou être pris dans la tête. J'ai dit, telle personne, elle fait partie de mes sujets. Telle personne, Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas exaucé? Il y a qui? On dit, ah, Zadi, entend le délai. Il dit, quoi? Il est où? Dieu me montre, je m'en vais là, il dit, frère, voyez, je suis en train de gérer ça, il n'y a pas besoin de ton argent. Puisque toi-même, tu soutiens le ministère. Il n'y a pas besoin de ça. Et puis ça se gère. C'est comme une brigade. Soutenir le ministère, il y a une grande vision. Nous avons tellement de choses à faire. Mais vous savez, au départ, il y a eu trop de dérangements. Nous avons commencé depuis 2006 le combat. Et ce qu'on dérange le diable, c'est comme ça. Et on a commencé à Abidjan à un moment donné, en 2009, on a commencé à faire quelque chose à Abidjan. On a arrêté beaucoup de choses et le Seigneur a voulu qu'on fasse quelque chose à l'intérieur. Et c'est ce qui est en train de commencer par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, il faut commencer. Jésus-Christ, vous savez, Jésus, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Il était Jésus. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Toute cette année, il a pris le temps. C'est l'âge de la maturité. J'ai un temps où Dieu aimerait que ça soit comme ça. D'autres, ah, mais pourquoi non? J'ai un temps. Si tu ne rentres pas dans le temps, tu as des problèmes. J'ai le problème. Il a eu combien de temps de ministère? 3 ans. Il a reçu son ministère. Si tu es dans le temps, tu reçus ton ministère. Mais si tu veux faire comme Bishop, hein, tu vas avoir des problèmes. Et tu ne connais pas comment Bishop a commencé, ce que Dieu lui a dit. Quelle que soit ton onction, quelle que soit l'onction que Jésus avait, Jésus a attendu le temps de Dieu. C'est pour ça que si vous avez des ministères, il ne faut pas chercher à imiter quelqu'un. Il faut attendre le temps de Dieu. Et j'ai trouvé que le Seigneur a dit, c'était à Divo. C'était à Divo. Ceux à qui j'ai dit, il y a deux sont partis, mon lâcher. Parce que je voyais que non, dis-moi, on gagne quoi? C'est quoi les petites offrandes bizarres? Surtout à Zaroko. Elle a roule. C'est pas difficile, hein? Elle a roule, tout ça. Amen. Moi, j'ai dit, c'est ici. Ça ne m'a pas menti. Alléluia. On avait commencé dans un salon. Aujourd'hui, c'est devenu un grand centre. C'est ça. Quand Dieu parle, il te dit quelque chose. C'est comme ça. Amen. Amen. Donc, il faut attendre le temps de Dieu. Le Seigneur m'a dit ici. Je voulais aller à Yamoussoukro. Et pour mettre un autre, le cabinet de côté, un secours. Le Seigneur dit non, c'est un faux système. J'ai dit, mais dis-vous, c'est comment? Le Seigneur dit ici,
Donc on a attendu le temps, le Seigneur, aujourd'hui, est en train de prendre forme. Il faut qu'on écoute la voix de Dieu. Il ne faut pas faire comme Bishop tant. Il ne faut pas faire comme révérend tant. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est en fonction de la parole de Dieu, la révélation de Dieu, qu'on bâtit un ministère. Peu importe le temps. Même si les gens pensent que tu as un ministère itinérant, il faut attendre le temps pour démarrer le ministère. Donc ça a démarré. Dis amen. 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 Jésus. La puissance. De prier, une fois tension m'a fait tomber, j'ai eu beaucoup de choses. Je dis merci Jésus. Amen. Maintenant j'ai commencé le ministère. Amen. Amen. J'ai vu que ce que j'ai fait dans le passé c'était rien. Ce que du moins Dieu a fait à moi c'était rien. Ce que Dieu me montrait c'était entre tirer. J'ai vu les femmes qui avaient des goîtres, c'est sorti. J'ai vu les figurantes parties. J'ai vu, j'ai touché la tête des gens, ils fait sortir des pointes, les trucs, des choses pathétiques. Moi je suis allé me coucher dans le lit. C'était trop. Si je suis tranquille dans la tête, moi, mais je sais, j'ai fait un bon rendement. Amen. Amen. Il faut que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, il faut que Dieu vous bénisse. C'est nous qui devons vous aider à rentrer pleinement dans votre bénédiction. Amen. Alléluia. Donc, ici, c'est un cabinet de coupe. Tous les lundis et mardis, ici, c'est tout le monde en jeûne. On n'amène personne. Souvenez-nous, peut-être la secrétaire veut prendre les rendez-vous. C'est à partir de mercredi, on commence à gérer les rendez-vous. C'est à partir de mercredi, on commence à. Mais ici, nous sommes en prière. C'est un sens de prière. De jeûne et prière, lundi et mardi, jeûne sec. Nous aurons l'occasion de prier pour tout le monde. Et lundi et mardi soir, il y a des veillées. Nous aurons des veillées de prière. Lundi, veillées de prière, mardi. Nous coupons le jeûne le mercredi matin. Parce que l'âme la plus puissante du chrétien, on peut couper les portables après, s'il vous plaît. Couper les portables. Non.